Marie, je n'arrive pas trop tard. Que Monsieur Michel se rassure, Madame n'est pas encore décédée. Comment va-t-elle? Oh, elle est au plus mal. On se demande comment elle est encore de ce monde. Le docteur n'en revient pas. Mais de quoi souffre-t-elle exactement? Personne n'en sait rien. Elle doit être usée. Enfin, est-ce qu'on a fait venir un spécialiste? Le docteur soigne la famille depuis près de 60 ans, Monsieur Michel. Et vous voudriez prendre quelqu'un d'autre, mais ce serait lui faire un affront. Permettez-moi de vous dire que vous ne montrez guère de considération pour les vieux, dont, malheureusement, je fais partie. Vous, Alandre, vous êtes toujours aussi jeune. Je sais bien que non. Marie, puis-je monter voir ma tante? Non, pour l'instant, elle repose. Il faudrait mieux que vous attendiez. Comme vous voulez. Mais est-ce qu'elle peut s'alimenter? Elle mange comme quatre. Pour ces derniers jours, je ne vais pas la priver. Et qu'en dit le médecin? Il n'a rien à dire. La nourriture, c'est mon domaine et pas le sien. Enfin, Marie, vous ne vous rendez pas compte? Vous abrégez les jours de ma tante en lui donnant trop à manger. Je n'abrège rien. Ce qui est écrit est écrit. Et ma cousine est au courant de ce que vous faites? Madame Agnès a confiance, elle. C'est une personne respectable. Elle? Qui sait bien que ma cuisine ne fait de mal à personne. Elle m'a même demandé de préparer mon cassoulet et ma choucroute pour madame. Comment ma tante a mangé du cassoulet et de la choucroute? Pas le même jour. Et c'est madame Agnès qui vous a conseillé? Bien sûr. C'est une femme de bon sens. Elle? Et son mari, que dit-il? Monsieur Jérôme, il n'a rien à dire. C'est donc toujours ma cousine qui commande. C'est normal. C'est elle qui a l'argent. Oui. À propos, vous avez préparé ma chambre? Bien sûr. Avec la maladie de ma tante, il aurait peut-être été plus pratique pour vous que je couche à l'hôtel, non? Pour que tous les voisins disent que je ne suis plus capable de tenir la maison? De toute manière, votre chambre est toujours prête. Et même si un jour vous arrivez à l'improviste, votre lit sera fait. Je crois bien que je ne vous dérangerai plus beaucoup. Mais, monsieur Michel, vous viendrez bien passer les vacances? Non. Non, j'aime trop la mer et le bateau pour revenir ici. Ce sera quand même dommage d'avoir une aussi belle maison et de ne pas en profiter. C'est pourquoi je la vendrai. C'est impossible. C'est incroyable. C'est raisonnable. Mais madame Agnès n'acceptera jamais. Quand ma tante n'y sera plus, madame Agnès ne pourra pas m'empêcher de me débarrasser de cette maison. Ce serait illégal. Et moi, qu'est-ce que je deviendrai? Mais Marie, nous ne vous oublierons pas. Non, je veillerai personnellement à ce que vous ne manquiez de rien. On dit ça. Je vous le jure. Oh, j'ai pas confiance. Quelqu'un capable de vendre sa maison pour qu'elle soit achetée par des gens qui ne sont pas même du pays. Ne parlons plus de cette histoire. Oui. Oh. J'ai faim, Marie. Pourriez-vous me préparer un sandwich? M'acheter une bouteille de whisky? De quoi? Ah bah, vous avez bien entendu, du whisky. Ici? Chez nous? Oui, ici. Chez moi. Monsieur Michel, Il y a là une personne qui veut vous voir. En quoi est-ce une personne? Elle porte un pantalon. Et surtout, Monsieur Michel, un tricot rouge vif. Rouge, vous entendez? Alors que la mort est quasiment installée dans la maison. Bon, faites-la entrer. Enfin, je veux dire, la personne, pas la mort, bien sûr. Ah bah ça... Ah ça, c'est trop fort. Quoi? Vous avez demandé d'attendre dans l'entrée. Je savais que je serais reçue, alors je voulais vous éviter de faire deux fois le chemin, madame. Bonjour, Suzy. Bonjour, mon chou. Mon chou. Oui, vous pouvez nous laisser, Marie. Dis donc, je voulais absolument... Chut. Quoi? Tais-toi. Ah! Vous écoutez vos portes maintenant, Marie? Non, j'écoutais pas, j'époussetais. Oh là 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 là! Mon chou. Qui est-ce? C'est Marie. Ma tante l'a recueillie par charité et cela lui a fait une domestique à bon compte. Bah dis donc, ils sont tous pareils chez toi? Non, Marie est la mieux. Bah, c'est gay. Qu'est-ce que tu viens faire? Je m'ennuyais à l'hôtel. Je t'avais prévenu quand tu as voulu m'accompagner. Je voulais pas te quitter. Je t'aime, tu sais. Mais je t'en prie, ne sois pas sentimental. Oui, avec toi, c'est difficile de l'être. Hein. Mais attention, hein, Michel, te moque pas de moi. Non, parce... pas de mélo. Oh, allez, oui. Nous disputons pas, hein, c'est pas le moment. D'autant plus qu'on va être ensemble tout le temps. Comment?
Bah, évidemment. Puisque ta tante est dans le coma, elle pourra pas faire d'histoire si je m'installe ici. Ah, tu es folle, non? Oh, mais je peux attendre qu'elle soit plus là, mais alors là, hein? Je débarque quoi qu'il arrive, ouais, je te préviens. Qu'est-ce que vont dire les voisins? Oh non, Michel, pas ce genre d'argument, je t'en prie. C'est pas pour moi, mais pour ma tante, tu pourrais entendre. Oh, tu es attendrissant. Je tiens à elle. Mais tu la détestes. C'est faux. Tu me l'as dit l'autre jour. Quoi? Eh ben oui, tu m'as expliqué qu'elle te gâchait l'existence. Puisque tu peux pas m'épouser tant qu'elle est en vie. Enfin, c'est-à-dire que je ne peux pas... Quoi? Je comprends que tu veuilles pas risquer d'être déshérité. Mais tu n'oserais pas soutenir que ça te fait pas mal au cœur, hein, tout de même. Donc, tu lui en veux? Non. Comment ta tante t'a menacé de pas te laisser un sou si tu te maries avec moi et tu lui en voudrais pas? Quand je vois ton caractère, je me demande si elle n'a pas raison. Michel! C'est une personne de bon sens et je me félicite d'avoir suivi ses conseils. Eh ben, dis-moi enfin ce que tu veux, mais ose-le donc et dis-le! Lâche, va! Ah non, ça, j'ai beaucoup de défauts, mais pas celui-là. Mais avoue donc, t'en es assez de moi. C'est toi qui l'as dit. Ne joue pas ce petit jeu-là, hein, tu t'en repentiras. Je ne joue pas de jeu. J'en ai assez de ton sale caractère, de ton sang-gêne, de tes toilettes ridicules. Mais il y a un an, tu trouvais mon caractère spontané, ma façon de vivre décontractée. Tu me félicitais de mon élégance. Me reconnais-le que t'as jamais voulu m'épouser. Le veto de ta tante te servait d'alibi, mais maintenant qu'elle va mourir, alors t'as plus d'excuses. Tu cherches à te débarrasser de moi. Ça suffit, hein. J'en ai par-dessus la tête de toi et de tes histoires. Non, mais je me laisserai pas faire, Michel, hein. Je suis capable de n'importe quoi. Moi, je... Tais-toi! Ah non, je ne me tairai pas. J'en supplie, on vient, tais-toi. Oh, si tu savais ce que je m'en moque, alors. Ça, je peux dire à n'importe qui ce que je pense de toi. Si tu as honte, eh ben, tant mieux. Bonjour, Michel. Bonjour, Agnès. Tu pourrais peut-être me présenter cette personne? Oui. Mademoiselle Suzy Gourdon. Ma cousine, Madame Jacquel. Madame? Madame? Non, mademoiselle. Vraiment? Vraiment, oui. Il n'était pas nécessaire, Michel, que tu amènes une de tes employées avec toi. Je ne suis pas son employée. Ah, j'aurais cru. Suzy, vaudrait mieux, je crois, que tu retournes à l'hôtel. Oui. J'ai besoin de respirer un peu d'air frais. Ces vieilles maisons, ça sent le renfermé, et par moments, c'est même irrespirable. Au revoir, Michel. Mmh. Et réfléchis bien à ce que je t'ai dit, hein? Au revoir, madame. Au revoir. Ça, c'est trop fort. Mais qu'est-ce qui t'a pris, Michel, d'amener cette grue avec toi? Tu n'as plus de sens commun, ma parole. Tout le monde va en parler en vie. Eh ben, ça leur fera un sujet de conversation. Oh, ton cynisme me révoltera toujours. Mais nous avons tous des motifs de nous révolter. Je ne comprends pas. Mais ça ne fait rien. Non, à propos, Marie m'a dit que tu l'encourageais fort à faire de nombreux plats pour notre tante. Comme elle a toujours eu de l'attention, il n'est pas raisonnable de trop lui donner à manger. Oh, mais Marie, c'est ce qu'elle fait. De toute manière, je tiens à adoucir les derniers jours de ta tante. Adoucir ou raccourcir, hein. Tu es ridicule. Au point où elle en est, ça ne peut pas changer grand-chose. Au fait, dis donc, je pense qu'il serait préférable de nous cotiser pour acheter une couronne. Hein. J'ai prévu une inscription en notre nom à tous les deux. Enfin, Agnès, tu as l'air de penser que la mort est pour demain. Oui, je suis Mademoiselle Marie. Et je comprends pas que vous veniez dans une maison comme la nôtre, monsieur le commissaire. Bah, je viens lorsqu'il y a un crime. Un crime? Ici? Nous ne sommes pas des malfaiteurs. C'est pas parce qu'il y a eu un décès que... Écoutez, vous n'allez pas me soutenir qu'il s'agit d'une mort naturelle, non? Si. Car on ne se suicide pas dans la famille. On a de la moralité. Non, on ne se suicide pas, mais on se fait assassiner. C'est un accident. Oui, oui. Quelqu'un manœuvrant un revolver se tire 3 coups dans le dos et va cacher l'arme avant de mourir. Ça, c'est très plausible, effectivement. Il doit s'agir d'un braconnier qui a cru tirer un lièvre. À bout portant, oui. Vous voulez avoir réponse à tout. Bon, écoutez, reprenons l'affaire depuis le début. Savez-vous pourquoi la victime est venue ici? Monsieur Michel? Pour l'enterrement de sa tante. Bon, l'enterrement de sa tante, Madame de Smet n'est pas morte, que je sache. Oh, elle en vaut guère mieux. Alors, qu'avez-vous fait hier soir? Du canard au navet. Non. Non, je vous demande, qu'avez-vous fait après le dîner? Ah, est-ce que ça vous regarde? Oui. J'ai fait des rangements jusque vers 11h, puis Madame Agnès est venue me trouver. Nous avions beaucoup de choses à voir et nous sommes restés une bonne heure ensemble. Ensuite? Trouvez qu'il n'était pas suffisamment tard comme ça? J'ai été me coucher. Vous vous entendiez bien avec la victime? Que Dieu ait son âme. Ça veut dire quoi, ça? Rien. Et encore? Il faut être indulgent. Bon, donc vous ne l'aimiez pas. Pourquoi?
Il avait des mœurs douteuses. Ah ? Et que savez-vous de précis ? Il vivait avec une femme sans être marié. Ah, c'est tout. Oh. Trouvez pas ça monstrueux ? Ah, si, 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 bien sûr. Et vous ne savez pas tout. Il a eu l'audace de la faire venir ici, jusque dans cette pièce. Il a osé. Oui. Ah, c'était pas une belle âme. Il lui avait promis de l'épouser. Est-ce qu'un de se mettre se marie avec une fille comme ça ? Puis hier, comme il avait assez d'elle, il l'a renvoyée. Vous en êtes sûr ? Mm-hmm. Il le lui a dit. Quoi ? Mais il l'a entendu. À la fin, elle a même menacé de se venger. Tiens, tiens. Bon, une autre question. Madame de Smet est-elle riche ? Très riche. Elle n'a jamais dépensé un sou. Et qui va hériter alors ? Madame Agnès toute seule, puisque Monsieur Michel n'est plus. Ah oui ? Et vous ? Vous espérez pas un petit quelque chose ? J'ai toujours fait mon devoir. Qui habite cette maison ? Madame et moi. Ah oui, Madame Jequel alors ? Ah, Madame Agnès ? Oui. Bah, elle habite une petite maison au bout de la rue. Ah non. Oui, c'était pas la peine qu'elle fasse des frais. Elle savait bien qu'elle finirait par venir habiter ici. Elle n'avait qu'à avoir un peu de patience en attendant la mort de madame. Qu'en pensait son mari ? Elle lui demande jamais son avis. Dites, à l'entrée de la propriété, là, il y a un pavillon. Il est occupé, ce pavillon ? Autrefois, il y avait des gardiens, mais ces gens-là sont devenus tellement chers que nous ne pouvons plus nous permettre d'en entretenir et ne rien faire. Madame m'a loué à Mademoiselle Blanche, enfin, je veux dire Mademoiselle Revillon. Qui est-ce ? Oh, une jeune fille très bien. Sa famille a beaucoup d'argent. Hmm. Madame voulait qu'elle épouse M. Michel, c'est pourquoi elle lui avait donné la préférence pour le logement. Oui, alors en somme, il n'y a que trois femmes qui vivent dans cette propriété. Et vous n'aviez pas peur ? Nous ne sortons jamais après la nuit tombée. Et le soir, nous nous barricadons. Et si vous entendiez des bruits suspects, que feriez-vous ? Alors, je téléphonerais tout de suite à M. Jérôme. Parce que dans ce cas, c'est pas Mme Agnès que vous préviendriez. Je croyais pourtant que c'était elle qui dirigeait tout. Quand il y a du danger, c'est aux hommes de se déplacer, non ? Et alors, vous ne l'avez pas appelée la nuit dernière ? Il n'y avait pas de raison, j'ai rien entendu. Bon. Autre chose, comment se fait-il que l'on n'ait pas bouché la large brèche qui est dans le mur de clôture ? N'importe qui peut entrer par là. Ça ennuyait madame, et il avait été question de faire venir des ouvriers, mais on a dû y renoncer. Leur prix n'était pas assez raisonnable. C'est dommage. Pourquoi ? Parce que l'assassin de Michel de Smet est entré par là. Oh ! Bon, enfin, à condition qu'il soit venu du dehors, évidemment. Agnès, voici le commissaire Terran qui enquête sur la mort de Michel. Mes hommages, madame. Bonjour, commissaire. C'est affreux, n'est-ce pas, ce pauvre Michel dans la fleur de l'âge. Ah oui, c'était un garçon. Jérôme, c'est à moi que le commissaire parle. Excuse-moi, Agnès. Je voulais vous demander ce que vous pensiez de la victime. Michel est de notre famille, c'est donc un garçon très bien. Vous approuviez sa liaison avec Mademoiselle Gourdon ? Comment ? La ville est au courant ? Vous n'avez pas répondu à ma question, madame. C'est cette fille qui l'avait envoûtée. Michel n'était qu'un enfant. Bon, un enfant de 32 ans. Il a toujours été sans défense devant ce genre de femme. Ah, parce que c'était pas la première fois. Il était incapable de... Oui, enfin, peu importe. Si je comprends bien, jusqu'à présent, personne en dehors de sa famille ne connaissait sa vie agitée puisqu'il n'habitait pas dans la région. Malheureusement, hier, il a amené Suzy Gourdon... Et ça vous a profondément choqué. Oui, exactement. Jérôme, disons que nous avons été surpris. Comment se porte votre tante, madame ? Elle est au plus mal. Et c'est vous qui hériterez ? Je suppose. Bah, si, maintenant vous êtes la seule héritière. Oui, c'est terrible que ce pauvre Michel ne puisse profiter de sa part. Mais le malheureux garçon. Quelle est exactement votre profession, monsieur Jocquet ? Nous avons une... Non, madame, je m'adresse à votre mari. Oui, nous avons une fabrique de tissus de coton. Nous faisons des choses ravissantes. Oui. Les affaires sont-elles pas plus difficiles avec la concurrence de toutes ces fibres nouvelles ? Ah, ça, effectivement. Mais nous avons conservé une clientèle sérieuse de premier plan. Ah oui, mais qui diminue un peu, j'imagine. Enfin, je... Oui. Oui, et modernisée, coûte cher. Oh, ça, je m'en doute.
Qu'avez-vous fait hier soir? Nous sommes allés chez ma tante pour voir Michel. Jusqu'à quelle heure êtes-vous resté avec lui? 10h15, 10h30 environ. Pas plus tard. Il avait tellement envie de sortir. Sûrement pour retrouver cette fille. Ensuite, qu'avez-vous fait? Jérôme et moi, nous sommes montés au chevet de ma tante et nous l'avons quittée à 11h précise. Précise? Comment pouvez-vous être aussi affirmative, madame? Nous avons entendu le carillon. Ah oui, oui. Ah. J'ai même dit qu'il faisait beaucoup de bruit et qu'il risquait de fatiguer notre tante. Ça, je... Mais vous êtes rentré chez vous? Jérôme seulement. Moi, je suis restée avec Marie jusque vers minuit. Ensuite, je suis allée me coucher. J'espère, commissaire, que toutes ces explications ont satisfait votre curiosité. Oh, bah, vous savez, moi, je ne suis jamais satisfait tant que je ne connais pas tout. Vous entendez? Et vous comprenez surtout tout. Oui, c'est bien normal. Ben, j'ignore, par exemple, depuis combien de temps vous êtes marié? 17 ans. Oui, bientôt 18. Et vous avez quel âge? Et nous avons 47 ans l'année l'autre. Jérôme! Oui. Avez-vous toujours vécu dans cette maison? Bien, nous attendions... De pouvoir habiter la demeure de Madame de Smet, oui. Nous sommes très bien ici, remarquez. Oui, bon, écoutez, maintenant je voudrais parler à Monsieur Jockel seul, madame. Seul? Oui. Mais il n'a pas de secret pour moi. Du moins, je l'espère, n'est-ce pas, Jérôme? Ben oui, mais néanmoins, je préfère, madame. Eh ben, on peut dire, commissaire, que vous utilisez des méthodes un peu cavalières. Bon. Eh ben, je vous laisse. Merci, madame. Bon, monsieur Jockel, quand vous avez quitté la demeure de madame de Smet hier soir, vous avez pris l'allée qui mène de la maison au portail ou vous êtes-vous promené dans le jardin? Ah ben, je suis rentré directement. Vous en êtes certain? Ah oui, oui. Vous n'avez pas fait un détour par l'allée qui va à la tonnelle, là où le corps de Michel de Smet a été trouvé? Mais, qu'est-ce que vous voulez insinuer? Ah, rien. Vous voyez, ce mouchoir avec les initiales J.J., Jérôme Jockel, je suppose, est-ce qu'il vous appartient? Je ne sais pas, moi. Ah bah, comment? Vous savez pas, vous reconnaissez pas votre linge? Si, bien sûr. Mais... Bon, alors, ce mouchoir? Ah, il est à moi. Vous vous trompez pas? Ah, ça, je vous le jure. Non, parce qu'il y a quelques secondes, vous hésitiez. Puis alors maintenant, vous faites un serment. Mais j'en ai une douzaine. De serments? Mais non, des mouchoirs. Ah bon, à la mémoire vous revient, bravo. Non, mais vous avez peut-être pensé qu'en perquisitionnant, je découvrirai les autres, non? Ah non, 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 je vous jure. Non, écoutez, jurez pas trop, je vous en prie. Hein? Enfin, pourquoi me parlez-vous de ce mouchoir? Vous devinez pas? Non? Ben, on l'a trouvé près du cadavre. Ah, c'est pas vrai? Ah si, malheureusement pour vous. Alors, à la lueur de ces événements, maintenez-vous votre déclaration? Quelle déclaration? Celle concernant le trajet que vous avez suivi hier soir. Mais vous aviez peut-être oublié que vous vous étiez promené dans le jardin pour prendre l'air ou fumer une cigarette. Non, non, je m'étais pas trompé, je dis toujours la vérité. Oui. Je suis rentré directement... Mais hier matin, par contre, après avoir vu notre tante, j'ai fait un tour dans le jardin, ça. Et ah. Je me rappelle fort bien être passé par la tonnelle. Et c'est à ce moment-là que j'ai dû laisser tomber mon mouchoir. Non, 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 c'est pas possible, ça. Parce qu'hier après-midi, il y a eu un orage. Or, votre mouchoir est impeccable. Ce qui ne serait pas le cas s'il avait été exposé à la pluie et à la boue. Hein? Ah ben... Bon, que faisiez-vous entre 23h et 23h30? J'étais sans doute à la maison. Comment sans doute? Vous n'êtes pas sûr? Ah si, si, j'en suis certain, mais... Enfin, pourquoi plus spécialement entre 23h et 23h30? Hein? Parce que c'est l'heure où Michel de Smet a été assassiné. Ah. Oui, mais comment est-ce que vous pouvez être si précis? Enfin, il a peut-être pu être tué plus tôt ou plus tard. Non. Non? Non, car en tombant, il a cassé sa montre, qui s'est arrêtée. Alors, patron, vous avez arrêté Jérôme Jockel? Non, pas encore, mais j'ai longuement hésité. Ah? Oui, seulement, je crois pas qu'un homme comme lui ait pu agir seul. Il est tout juste bon à faire un exécutant, lui. Alors, selon vous, le cerveau serait la femme? Ben oui, elle est habile, rusée. Et si elle est l'instigatrice du crime, elle a dû prendre des précautions. Donc, c'est elle qui m'intéresse. Attendez, attendez. Alors, vous pensez qu'en laissant les époux face à face, ils se trahiront plus sûrement?
Oui. C'est ça? Oui. Oui, c'est une famille surprenante. J'ai besoin d'en savoir davantage sur eux tous. Qui allez-vous interroger maintenant? Ben justement, aucun d'entre eux. Non, parce qu'un point de vue extérieur peut m'être beaucoup plus utile. Ben, Suzy Gourdon, ben justement, elle est ici. Ben, pour cause, parce que je l'ai convoquée. Ah bon? Oui, il y a même un bon moment qu'elle doit m'attendre, alors fais-la donc entrer. Bien, hein. Va-t'en. Ah, mademoiselle? Oui. Entrez. Merci. Mademoiselle? Bonjour, monsieur le commissaire. Asseyez-vous, mademoiselle Gourdon, je vous en prie. Merci. Quel âge avez-vous? 25 ans. Votre métier? Secrétaire comptable. Et où travaillez-vous? Pour l'instant, nulle part, mais je vais rentrer dans un magasin de mode. Depuis quand connaissiez-vous la victime? 3 ans. Et je vis avec lui depuis 2 ans. Ah bon? Bon. Vous l'aimiez? Bon, je ne suis pas le genre de fille à habiter avec quelqu'un qui ne me plairait pas. Que pensait-il de sa famille? Il la jugeait fort bien. Fort bien? Enfin, je veux dire, fort mal. Enfin, c'est-à-dire comme elle le mérite, quoi. Michel avait un humour féroce et pourtant il... Vous disiez pourtant? Rien. Si, moi je vous demande de répondre, mademoiselle. Pendant longtemps, j'ai cru qu'il leur ferait subir tout ce qu'il imaginait. Mais en fait, il tremblait devant eux, il aurait rien osé entreprendre. Et quand avez-vous compris ça? Quand j'ai vu sa famille. Et quand était-ce? Hier. Ah, vous avez été déçu là. Voilà. Plus que vous n'imaginez. Oh, si, je l'imagine très bien, au contraire. Michel de Smet a dû se comporter comme un petit garçon. Oui. Vous demandez de ne pas résider avec lui chez sa tante. Oui. Mais dites donc, c'est cette vieille taupe de Marie qui vous a raconté ça? Et il vous a dit qu'il ne vous épouserait pas. C'est vrai. Or, comme vous aviez toujours cru que seule Madame de Smet empêchait le mariage et qu'elle disparut, il régulariserait la situation, ça vous a déçu. Eh bien, vous ne dites rien, mademoiselle Gourdon? Vous voulez que j'applaudisse? Non. Bon, alors permettez-moi de continuer mon histoire. Si les ennuis des autres vous amusent. Non, ils ne m'amusent pas, ils m'intéressent. Dis donc, vous êtes très agressive, vous, hein? Emportée et jalouse, mademoiselle Gourdon. Si je vous dis non, tout le monde vous dira le contraire. Bon, alors ne peut-on imaginer que, faisant une dernière tentative pour ramener à vous monsieur de Smet, vous lui fixez rendez-vous vers 22h30, par exemple? Vous vous promenez avec lui, et comme il ne cède pas, vous l'abattez. Non, c'est faux! Après le dîner, vous avez bien téléphoné de votre hôtel à M. de Smet pour lui fixer rendez-vous. Ah, ne niez pas, parce qu'on vous a entendu. Mais il a refusé. Oui, toujours est-il qu'il est sorti vers 22h30. Mon Dieu, il est allé à notre rendez-vous? Ah, vous aviez donc bien rendez-vous. Je lui ai proposé de le retrouver dans la rue en face de chez sa tante entre 10h30 et 11h moins le quart, mais il n'avait pas accepté. Ben comment se fait-il alors que vous soyez sorti à cette heure tardive? Ben j'espérais malgré tout. Ah bon, parce qu'il n'avait pas été catégorique alors. Vous savez, il ne l'était jamais véritablement. Hein. Ah bon? Voilà un point intéressant. Hein. Si vous n'avez pas rencontré de Smet, pourquoi n'êtes-vous pas rentré aussitôt à votre hôtel? J'ai marché pour me calmer. Pour vous calmer? Oui. Bien. Et vous avez rencontré quelqu'un? Commissaire, vous savez bien que la propriété est à l'autre bout de la ville. Qu'à cette heure-là, il était peu probable que je croise qui que ce soit, voyez. Oui, en somme, d'après vous, personne ne peut témoigner, ni si vous étiez un, ni si vous étiez deux. Et avec quelle arme je l'aurais tué? Oh, ben écoute, vous savez bien qu'elle a été cachée. Mais nous la retrouverons. Et comme vous avez un mobile et pas d'alibi... Mais commissaire, en fait, est-ce que j'ai la tête de quelqu'un qui peut tuer? Écoutez, là, mademoiselle, vous me surprenez, hein. C'est pas un argument, ça. Vous regardez jamais les photos des criminels dans les journaux? Mais comment est-ce que je pourrais vous convaincre, enfin? Michel était un faible, et je pouvais espérer qu'il me reviendrait. Êtes-vous riche, mademoiselle? Oh non, je n'ai pas un sou, vous le savez bien. De Smet aimait l'argent. Oui. Et il pouvait espérer faire un beau mariage avec l'approbation de sa famille. Vous n'allez tout de même pas insinuer qu'il aurait fini par épouser cette Blanche... Blanche Révillon. Oui. Oui, c'est la personne à qui Madame de Smet loue le pavillon à l'entrée du parc, je oui. crois. Hein. Ben, pourquoi pas? Madame de Smet s'était mis en tête de lui faire épouser son neveu. Vous n'auriez pas pu l'en empêcher, puisque vous veniez de me dire qu'il n'avait pas de volonté et qu'il aimait l'argent. Oh non, vous me voyez en rival de Blanche Révillon. Écoutez, tout à l'heure, il fallait que je ne vous voie pas en criminel. Alors, il faut faire beaucoup d'efforts d'imagination avec vous, mademoiselle Gourdon, hein. Écoutez, commissaire, moi, j'en peux plus. Eh ben, alors, parlez-moi.
J'ai rien à vous dire. Jusqu'à ma mort, je regretterai de t'avoir épousée. Agnès, enfin, que se passe-t-il? Je suis comme d'habitude aujourd'hui. Ça n'est pas une référence. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour te calmer? Me calmer? J'ai pas besoin qu'on me calme. Et puis, de toute façon, il est trop tard. Trop tard? Mais pourquoi? On ne s'improvise pas criminel quand on n'en est pas capable. Mais je ne me suis pas improvisé criminel. Comment? Ça n'était pas ton coup d'essai? Oh, tu m'as mal compris. Je ne suis pas un assassin. Là. Aucun jury ne te croira. D'ailleurs, tu as le faciès d'un meurtrier. Je me demande comment je ne l'ai pas remarqué plus tôt. Ton front bombé, ta mâchoire fuyante, et tes yeux. Et qu'est-ce qu'ils ont, mes yeux? Ils sont vicieux. Oh, Agnès, attention à ce que tu dis. Je n'accuse pas sans preuve. Enfin, vas-tu m'expliquer? Je suis au courant de ta liaison. Jusqu'à présent, je n'avais rien dit. Ce n'est pas un sujet dont on parle entre gens comme nous. Mais, vu les événements, j'y suis forcée. Oh, Agnès! Agnès! Pourquoi n'appelles-tu pas Blanche, par exemple? Mais... Depuis que cette intrigante habite le pavillon, j'avais bien remarqué que tu allais de plus en plus souvent rendre visite à ma tante. J'imaginais que tu compatissais à sa maladie. J'étais bien naïve. Et puis, un jour, Marie t'a vue. Oh, la garce. Ne jure pas que grave ton cas. Non, non, j'ai peut-être été une fois ou deux faire une petite visite à Mademoiselle Blanche pour lui rendre des livres qu'elle m'avait prêtés. Rendre des livres? Te livrer à des orgies, oui? Bon, tu sais, avec Blanche. Tu avoues? Non mais, après tout, quel rapport y a-t-il avec la mort du Michel? Réfléchis un petit peu. Blanche se contente de toi, parce qu'elle ne trouve pas mieux. Faut pas te faire d'illusions. Par ailleurs, tu sais qu'elle a envie de se marier, entre sa vie actuelle avec toi, mon pauvre Jérôme. Et le mariage avec Michel, elle n'aurait pas hésité. Tu t'en rends tout de même compte. Mais enfin... Laisse-moi achever. Hier soir, pendant le dîner, Michel nous a dit qu'il épouserait Blanche si celle-ci acceptait. Ça t'a rendu fou de rage. Mais pas du tout. Ça se voyait. Tu as donc suivi Michel dans le jardin. Comme il ne se méfiait pas de toi, tu l'as entraîné à l'écart et tu l'as abattu en lui tirant dans le dos lâchement, comme toujours. Mais j'ai pas de revolver. Ah. Tant en possédait un et tu étais au courant. Mais qui prouve que ce revolver soit l'arme du crime? Il a disparu. Hein? Et si j'ai un conseil à te donner, Jérôme, c'est de ne pas le cacher ici. Tu es suffisamment bête pour l'avoir gardé. Je ne l'ai pas. Ne mens pas. Écoute, Agnès, je ne l'ai jamais eu et ce n'est pas moi qui ai tué Michel. D'ailleurs, je sais que c'est toi la coupable. Oui, depuis des semaines, tu précipites la fin de ta tante, alors. Tais-toi. Non, je ne me tairai pas. Et puis, comme Michel s'est douté de quelque chose, tu l'as supprimé. Là. Tu me paieras ce que tu viens de dire. Patron. Hein? Eh bien, moi, j'ai une idée. Bah, tu devrais pas annoncer ça comme une chose exceptionnelle. Mais si, si, si. Ah bon? Alors, t'as trouvé l'assassin de Michel Desmet? Ben, exactement. Ben, je t'écoute. Voilà. Je suis sûr que Mme Desmet joue à la malade et que c'est elle la coupable. Ah, suivez-moi bien. Et, comme tout le monde imagine Mme Desmet sur le point de mourir, elle peut tuer son neveu sans crainte d'être démasquée. Et dans quelques jours, on annoncera sa guérison. Hein? Elle n'est pas astucieuse, ma théorie? Allez, ah, si, 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 seulement. Alors, pourquoi aurait-elle supprimé Michel? Là, c'est le point délicat, évidemment. Ah, oui, faut y penser, quand même. Allô? Oui? Bon, faites l'entrée. C'est Marie qui veut nous voir. Ah. Entrez. Madame Desmet est partie, monsieur le commissaire. Ah, oh, patron, qu'est-ce que je vous disais? Elle est partie. Où est-elle allée? Mais là-haut, monsieur le commissaire. Ah, bon? Elle a voulu se lever, je l'ai prise dans mes bras, je l'ai installée dans son fauteuil. J'ai été faire un peu de ménage et quand je suis remontée, elle était passée. Ah non, mais attention à ce que vous dites, là. Vous êtes sûr? Ah, bah, à mon âge, on a l'expérience des morts, non? Ce serait dommage, tout de même. Oui, sûrement, sûrement. Alors, vous êtes donc la dernière personne à l'avoir vue vivante, Madame Desmet? Ah, non. Monsieur Jérôme est monté. Tiens, tiens. Et il est resté longtemps? Comme d'habitude. Quoi, c'est-à-dire comme d'habitude? Ben, quelques minutes à peine.
Monsieur Jérôme fait toujours plus de bruit en arrivant qu'en partant. Pourquoi ? Je ne sais pas si je dois. Il a une liaison. Oui, alors ? Alors, il veut faire croire qu'il est au chevet de sa tante, et pendant ce temps-là, il va faire les 400 coups avec Mademoiselle Blanche. Bon, je vous remercie, Mademoiselle Marie, je n'ai plus rien à vous dire. Ah, si. Une dernière recommandation, ne touchez à rien, hein ? Alors, je ne suis pas tombée de la dernière pluie. Au revoir, messieurs. Alors, au revoir, mademoiselle. Au revoir, mademoiselle. Ah, mon pauvre Laurent, hein. Bah, t'as suspecte qu'il meurt à son tour. Ben, oui. Ouais. Bon, alors, récapitulons, hein. Pour le meurtre de Michel de Smet, nous avons comme coupable possible Jérôme Jockel, Suzy Gourdon et Blanche Révillon qui n'ont pas d'alibi. Ben, patron, et pourquoi pas Madame Jockel et Mademoiselle Marie ? Ben non, mon vieux, ils étaient ensemble. Je crois pas que Madame Jockel prendrait la bonne comme complice. Et pour le meurtre de Madame de Smet ? Ouais, tu vas vite, là. Rien ne nous dit qu'il s'agisse d'un crime, mon vieux. Seulement, dans ce cas, nous aurions les Jockel. Ah, oui, ouais. Et par intérêt ? Ben, bien sûr. Parce que, par contre, je vois mal Marie supprimer la personne qui l'a fait vivre. Ben, on peut pas savoir, l'espoir d'un héritage, ou la rancœur accumulée pendant des années. Non, je pense pas, ça. Alors, il reste Suzy Gourdon et Blanche Révillon, ni l'une ni l'autre n'ont de mobile. Néanmoins, j'ai bien envie de rendre visite à cette Blanche Révillon. Jérôme. Je me suis caché derrière un arbre et j'ai attendu d'être sûr qu'on ne me voit pas pour rentrer chez vous. Alors on vous a sûrement remarqué. Il y a une catastrophe. Vous parlez plus fort, nous sommes seuls. Ma femme est au courant. Pour nous ? Oui. Et pour la suivante ? Oh, Blanche. Non, vous manquez de tact de parler de la suivante. Je crois que c'est vous qui avez manqué de tact. Quand au bout d'un an, vous m'avez quitté pour une gamine. Elle a 18 ans, vous comprenez ? Mais c'est une excuse. Revenons à cette chère Agnès. Votre femme a découvert notre liaison, dites-vous ? Oui. Je ne lui donne pas une semaine pour découvrir votre nouvelle aventure. Eh bien, je suis perdu. Comme Agnès est au courant de ma conduite, elle fait tout pour me faire endosser le meurtre de Michel. Parce que ce n'est pas vous qui avez tué Michel ? Vous ne parlez pas sérieusement. Mais si. Vos affaires périclites, vous n'avez aucun sens moral, pas d'alibi, et vous laissez traîner, paraît-il, votre mouchoir près du cadavre. Oui, ben justement, eh bien, à ce sujet-là... Eh bien. Je suis persuadé que c'est Agnès qui a déposé ce mouchoir. Pour vous faire accuser à sa place ? Oui. Quel charmant ménage vous formez. Vous comptez vivre encore longtemps ensemble ? Ben, jusqu'au bout. Nous sommes mariés. Et sous le régime de la communauté ? Ce qui explique bien des choses. Non, ne soyez pas impitoyable. J'ai tant besoin de vous. Vous avez mis du temps à vous en apercevoir. Je vais essayer de m'en sortir seul. Mais si un jour j'étais arrêté, j'ai pensé que pour éviter d'être inculpé, je pourrais dire que j'étais chez vous. Mais vous n'y étiez pas, que je sache. Mais vous êtes la seule à le savoir. Il est encore préférable de créer ce petit scandale plutôt que de risquer la guillotine, non ? Pourquoi ne demandez-vous pas à votre nouvelle amie de vous servir d'alibi ? Mais Agnès me pardonnera peut-être une aventure, mais pas deux. Ce sera la fin de tout. Et puis la petite n'est pas de notre monde. La petite de notre monde. Je vous découvre tous les jours, Jérôme. Mon Dieu, qui est-ce ? Attendez, je regarde par la fenêtre. Ah, c'est la police. Oh, ça c'est terrible. Bon, cachez-moi vite. Pas du tout. Je n'ai pas honte des visites que je reçois, moi. Non. Blanche, n'allez pas ouvrir. Commissaire Terrane. Bonjour, commissaire. Veuillez entrer. Ça ne vous dérange pas ? Pas du tout.
J'avais cru que vous aviez une visite. J'entendais du bruit, mais je ne vois personne. Si, si, monsieur Jockel est là, mais je... Jérôme, où êtes-vous? Ah, nous voici. Bonjour, monsieur le commissaire. Bonjour. Oui, Agnès m'avait demandé de passer prendre des livres. Mais je n'en ai jamais eu dans ma chambre. Et vous le savez très bien, Jérôme. Ah, j'avais oublié. Je suis pressé, alors je vous quitte. Au revoir. Ah, vous je... ne voulez donc plus de livres? Si, si, si. Mais non, ça ne fait rien. Je reviendrai. Que puis-je pour vous, commissaire? Me dire ce que vous savez. Tous les comportements, les différents caractères, les détails m'intéressent. Mais auparavant, il y a quelques petites questions de pure routine, alors je suis obligé de vous les poser. Quel âge avez-vous? 30 ans. Voici du reste ma carte d'identité. Donc, je vous en prie. Célibataire? Oui. Quelles sont vos relations avec M. Jockel? Avec Jérôme? Si vous me posez la question de cette façon, c'est que vous savez la réponse. Bien longtemps que vous le connaissez? Intimement. Un peu plus d'un an. Et vous l'avez aimé? Le temps du verbe est bien choisi, en effet. J'ai été folle de lui. Mais c'est bien fini. Vous me regardez comme si vous ne compreniez pas. Cela vous paraît bizarre qu'un homme comme Jérôme Jockel puisse inspirer l'amour, n'est-ce pas? Ah bah, pour moi, oui, effectivement. Je suis enfant unique. J'ai toujours été seule, élevée à la campagne. Il y a 4 ans, ma mère, sous l'inspiration de Madame de Smet, m'a poussée à habiter ce pavillon. Je me suis trouvée encore plus seule qu'avant. Vous ne savez pas ce que c'est, n'avoir personne à qui parler, personne à qui penser. Et Jérôme vous a fait la cour? Oui, il était attendrissant. Je l'imaginais comme moi, victime des événements, de sa femme. Il est bête, il est lâche et je le déteste maintenant. Que pensiez-vous de Michel de Smet? Rien. Vous saviez que Madame de Smet aurait aimé vous voir l'épouser? Oui. Alors il est normal que vous ayez envisagé cette possibilité. Michel était beau, il était riche. Pourquoi se serait-il intéressé à moi? Non, pas une seconde, je n'ai cru à cette histoire de mariage. Ouais, bah, il paraît que lui y avait pensé sérieusement. Mon Dieu, serait-il possible? Non, voyez-vous, commissaire. Dans ce cas, sa conduite aurait été dictée par une faiblesse trop grande envers sa tante et je l'aurais méprisée et donc j'aurais refusé. Oui, alors en somme, il vous était complètement indifférent. Oui. Bon. Si vous pensez que c'est moi qui l'ai tué, commissaire, vous perdez votre temps. Alors, je sais bien qu'à 11h20, je n'avais pas d'alibi puisque j'étais seule comme d'habitude. Mais j'avais aucune raison d'en vouloir à ce garçon et sa mort ne me rapporte rien. Dites-moi, pourquoi Jérôme Jockel vous a-t-il quitté? Parce que j'imagine qu'il vous a abandonné. Oui. Pour une gamine. Oui, il y a longtemps, vous le savez, ça? 3 jours. Vous devez souffrir. Ça ne se voit pas. Bon, ben, je vais vous laisser. Eh ben, au revoir, mademoiselle. Au revoir, commissaire. Blanche, je peux entrer. Vous êtes seule maintenant. Le commissaire est parti. Oui. Il faut absolument que je vous parle. Ah. Oui, il s'agit d'une chose très importante, un petit peu délicate peut-être, mais... Asseyez-vous. Merci. Vous connaissez Jérôme? Pardon? Je crois que vous lui êtes très attaché. Enfin, toujours est-il qu'un scandale risque d'éclater et que nous devons tout faire pour l'arrêter. Vous et moi, nous avons intérêt à nous entendre. Vous vous en rendez compte? Continuez. Vous savez qu'il n'y a aucun doute sur l'identité de l'assassin de Michel. Ah? Ne faites pas l'étonner, voyons. Ça ne peut être que cette fille, Suzy Gourdon, sa maîtresse. Elle est vulgaire, portée, sans scrupules. Il n'y a pas d'hésitation à avoir, c'est elle. Mais la police hésite encore. Il y a sans doute une raison. J'y viens.
Jérôme, en se promenant dans le jardin, a laissé tomber son mouchoir dans une allée. Malheureusement, à l'endroit où Michel s'est fait tuer un peu plus tard. Que suggérez-vous ? Que l'on fasse éclater la vérité. Comment cela ? Je raconterai au commissaire qu'après le dîner, je suis allée faire un tour dans le jardin et que j'ai dû perdre un mouchoir que j'avais emprunté à mon mari. Ah, parce que vous lui avez emprunté ? Non, mais ça aurait pu m'arriver. Écoutez, Agnès, je ne comprends pas ce que vous voulez de moi. Vous pourriez dire, par exemple, que souffrant d'une migraine, vous êtes allée vers 11h chez Madame de Smet pour y chercher des cachets. Et alors ? Sur le chemin, vous nous avez rencontrés, mon mari et moi. Je vous ai alors proposé de prendre un médicament que j'avais chez moi. Je restais quelque temps avec Marie au chevet de Madame de Smet. Et rentrant chez moi, un petit peu plus tard, je vous ai trouvé bavardant avec mon mari. Croyez-vous que ce soit suffisant pour faire arrêter Suzy Gourdon ? Ah, j'oubliais. Vous n'aurez qu'à dire que vous l'avez rencontrée, elle. Et qu'en vous apercevant, elle s'est cachée. Jérôme confirmera votre témoignage. Agnès ! Ce qui importe, c'est que justice soit faite. Ensuite, vous verrez... Tout rentrera dans l'ordre et la vie reprendra comme avant. Comme avant. Vous voyez ce que je veux dire ? Ben dites donc, patron, quelle famille. Ça perd la mémoire, ça bafouille, ça ment, et puis nous, on n'avance pas. Bon, ben, en définitive, est-ce que tu sais à qui appartient le revolver qui a tué de Smet ? Oui. Parce que c'est bien joli de l'avoir retrouvé dans un buisson, seulement j'aimerais savoir au moins le nom de son propriétaire. Oui, mais vous allez être déçu. Ah ? C'est Madame de Smet. Tiens. Ouais. Et son entourage était au courant ? Oh oui, ça... elle était très peureuse. Et pour qu'on puisse la protéger, elle avait expliqué à tout le monde le fonctionnement de l'arme. Et je crois même qu'elle avait organisé quelques séances de tir dans le jardin. Oui. Ah. Allô ? Oui, commissaire Terran, à Paris. Ah, oui. Bon, comment allez-vous ? Merci. Naturel. Il n'y a pas le moindre doute. Oui. Oui, oh, bah, à son âge, évidemment. Bon. Ben, je vous remercie. Au revoir. Madame de Smet est morte naturellement. Oh, zut. Ah, ben, nous n'avons plus à nous occuper que d'un seul meurtre. Mais t'as une âme de collectionneur, toi. Hein? Comme si t'avais pas assez à faire avec un seul. Ah, bah, Suzy Gourdon, elle est arrivée ? Ah oui, elle vous attend depuis un petit moment. Elle fait la rentrée, moi, qu'est-ce que t'as ? Bien, patron. Bonjour, commissaire. Bonjour, mademoiselle. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. J'ai de mauvaises nouvelles à vous apprendre. Monsieur Jockel est venu m'avouer qu'il était avec Blanche Révillon au moment du crime. Ah. Et en quoi ces touchantes histoires d'amour me concernent-elles ? Ben, parce qu'en définitive, vous êtes la seule qui n'ayez pas d'alibi. J'ai pas d'alibi, mais j'ai pas d'arme non plus. Ah, ben oui, mais là, tout le monde n'est pas d'accord sur ce point. Ah, qu'est-ce qu'ils ont encore imaginé ? Laurent, tu veux faire entrer mademoiselle Marie ? Bien, patron. Mademoiselle Marie. Voilà. Bonjour, monsieur le commissaire. Bonjour, mademoiselle. Ah, enfin, elle est arrêtée, celle-là. Justice est faite. Si justice était faite, vous seriez dans un zoo depuis longtemps. Vous... Misérable ! Bon, mademoiselle, je vous en prie. Oh. Hein? Mademoiselle Marie, vous avez bien entendu une dispute entre mademoiselle Gourdon et la victime quelques heures avant le meurtre. Il criait assez fort. Monsieur Michel lui a dit qu'il n'épouserait pas une fille comme elle. Il avait bien raison. Oui, bah, pas de commentaires, s'il vous plaît. Mais cette fille, celle-ci, lui a dit qu'elle se vengerait. Donc c'est elle la coupable. Oh, bah, il y a une différence entre une menace et un crime. Oh. Vous savez pas ce que c'est qu'une querelle d'amoureux, non ? Ah non ? Vous n'est vrai qu'avec la tête que vous avez. Oh, c'est un con. Bon, écoutez, mademoiselle, hein. Un peu de calme. Après la dispute, mademoiselle Gourdon, avez-vous quitté la maison immédiatement ? Bien sûr. Mais c'est faux ! Quoi ? Mais monsieur le commissaire, j'ai d'abord entendu la porte du salon claquer. Hein, au moins 5 minutes plus tard, la porte d'entrée.
Je me suis précipitée à la fenêtre. C'était elle qui partait. Oh non, mais ma parole, mais elle va finir par m'accuser de lui avoir volé ses économies. Mais pas mes économies, mais le revolver de madame. Non, mais enfin, elle est folle. Comment est-ce que j'aurais su où il était, mon revolver? J'ai entendu monsieur Michel lui dire en riant que madame avait peur des voleurs et qu'elle gardait toujours une arme dans le tiroir de sa table de chevet. Et madame de Smet me l'aurait laissé prendre comme ça, là, sans rien dire. Elle dormait, vous le saviez. J'avais prévenu monsieur Michel devant vous. Oh, mais enfin, tout ça, c'est des histoires, non? Oh, n'allez tout de même pas la croire, commissaire. Enfin, pourquoi elle plutôt que moi? Parce que moi, je suis une personne respectable. J'ai pas vécu avec des hommes, moi. Oh oui, oh, bah, ça se voit assez, ça. Vous avez pris l'arme le soir où vous avez fixé rendez-vous à monsieur Michel. Vous l'avez abattu froidement, puis vous avez tiré son corps à l'écart. Pour qu'on le trouve le plus tard possible, vous m'entendez? Vous êtes une assassine. Oh, monsieur le commissaire, vous n'allez pas lui laisser... S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Laurent. Attends. Tu veux continuer l'interrogatoire de mademoiselle Gourdon dans la pièce à côté? Ouais, bien, patron. Ça, je préfère. Il y a ça. Trop de... Oh, quelle fille, celle-là! Oh. Bon, vous vous êtes calmée, ça va? Bon. Je vous remercie beaucoup de votre témoignage, mademoiselle Marie. Oh, j'ai toujours fait mon devoir, monsieur le commissaire, mais il y a des moments pénibles quand il faut côtoyer des femmes comme ça. Vous n'en avez que plus le mérite. Allez, ah, ça oui, vous, ça oui. Calmez-vous. Bon, monsieur et madame Jockel vont déménager. Oui, le plus rapidement possible. Oui, et puis vous, vous allez rester. Ben oui, il n'y a plus de problème. Madame Agnès a du cœur, elle. On n'est pas comme monsieur Michel qui m'aurait chassé. Madame Agnès m'a même promis que j'habiterai la chambre de madame. Mon rêve. C'est un peu à moi, cette maison, vous savez. Et mademoiselle Blanche, elle va rester dans le pavillon, elle? Madame Agnès lui avait proposé hier matin, mais mademoiselle Blanche n'a pas été docile. Elle va être obligée de partir. Ça veut dire ça n'a pas été docile? Ben, je sais pas. Je crois qu'elles se sont disputées. Elles sont, oui, enfin, ça n'a pas d'importance, ça a remarqué. Ah bon? Non. Eh bien voilà, mademoiselle Marie, je vous remercie de votre témoignage très précieux. Oh mais... C'était bien normal, monsieur le commissaire. Mademoiselle Révillon, vous devinez sans doute pourquoi je vous ai convoqué? Non. Comment le saurais-je? Vous êtes trahi, et je vous conseille pas de nier ce qui aggraverait encore votre cas. Je ne saisis pas. Ben non, mais vous allez tout de suite comprendre. Comment se fait-il que vous soyez la seule personne à connaître l'heure exacte de la mort de Michel de Smet? Mais... Hum? Que vous ai-je... Attendez, que vous ai-je dit déjà? Je ne sais plus. Ben oui, mais il faut pas perdre la mémoire comme ça d'un seul coup. Alors essayez de vous souvenir. Puis racontez-moi. Je n'ai rien à vous expliquer. Et en ce qui concerne l'heure du meurtre, j'ai dû vous la dire par hasard. Bon, alors si vous le prenez comme ça, c'est moi qui vais parler. Quand De Smet est tombé, il n'a pas brisé sa montre. C'est vous qui l'avez cassée et qui avez mis les aiguilles sur 23h20. Pourquoi? Parce qu'à 23h20, Jérôme Jockel n'avait pas d'alibi et que vous vouliez qu'il soit accusé. Mon Dieu. Vous laissez tomber près du cadavre un mouchoir que votre amant avait laissé chez vous? Ben, ça, c'était trop visible. Dès le début, cet indice m'a paru bizarre. Vous avez aimé Jockel passionnément, hein? Oui. Oui. Et vous ne lui avez pas pardonné de vous avoir abandonné pour une autre? Non, c'est pas exactement cela. Ah? J'ai voulu le punir de sa veulerie et de sa lâcheté que je venais de découvrir. Je n'ai pas honte de ce que j'ai fait. Je regrette simplement que sa femme et lui n'aient pas à faire face au scandale. Si vous les aviez vus, commissaire, venir me supplier pour que je les tire d'embarras. Agnès m'a même demandé de faire un faux témoignage pour que Suzy Gourdon soit accusée. Elle m'a dit qu'à l'avenir, elle fermerait les yeux sur ma liaison avec son mari. Non, ils sont dégoûtants. Et le meurtre de Michel de Smet. Mais je n'ai pas tué, je vous le jure. Non, écoutez, je vais vous dire exactement ce qui s'est passé. S'il vous plaît. Vers 10h, 10h30, je fumais une cigarette devant ma porte. J'étais à bout depuis ma rupture avec Jérôme. J'ai entendu un coup de feu, j'ai hésité quelques instants et puis je suis allé voir.
J'ai trouvé le corps de Michel. Et puis durant quelques instants, je suis restée hébétée. Brusquement, l'idée de me venger m'est venue, mais je n'ai cassé la montre et mis le mouchoir que plus tard, lorsque j'ai constaté que Jérôme était seul chez lui sans alibi. Ouais. Ben, je vous crois, mademoiselle. Qu'allez-vous faire de moi ? Oh, ça, je ne sais pas encore. Laissez-moi réfléchir un peu, quand même. De toute manière, j'ai quelque chose de plus important à faire. Quoi donc ? Arrêtez l'assassin qui, sans vous, serait depuis bien longtemps sous les verrous. Ouais. Parce que c'est une affaire curieuse, en effet. C'est la première fois de ma carrière où les indices truqués ne sont pas mis par le coupable ou par un complice, mais par quelqu'un comme vous qui est complètement en dehors du crime. Ça, alors ? Bon, asseyez-vous là, mademoiselle. Un instant. Oui. Laurent ! Attends ! Faire entrer tous les suspects. Bien, papa. Si vous voulez bien vous donner la peine de faire entrer. Bonsoir. Bon, monsieur et madame Jockel, asseyez-vous là. Ici, s'il vous plaît. Merci. Mademoiselle Marie à côté de vous. Oui. Et mademoiselle Gourdon près de mademoiselle Révillon. Oui. Voilà. Je vous ai réunis pour vous dire qui a tué monsieur Michel de Smet. Ah. Des menottes vont remplacer avantageusement vos bracelets, mademoiselle Gourdon. Vous dites donc, vous... Silence, silence, s'il vous plaît. Qui a le plus intérêt à se débarrasser de Michel de Smet ? Sans aucun doute, monsieur et madame Jockel. Oh, ça, c'est intolérable. De toute manière, moi, j'ai un alibi. Non, madame. J'ai découvert que votre cousin avait été abattu à 22h30 et non entre 23h et 23h30. J'ai toujours un alibi. J'étais avec mon mari. Oui, mais il pourrait être votre complice, madame. Mais voyons, monsieur le commissaire, si je commettais un crime, je n'aurais pas la bêtise d'y mêler mon mari. Oui, admettons. La personne qui, après vous, a le plus de motifs est mademoiselle Gourdon. Non, mais alors, vous croyez possible qu'espionnée par cette chère Marie, j'ai pu durant quelques secondes échapper à sa surveillance, me diriger dans une maison inconnue et prendre un revolver dans un tiroir à deux pas d'une personne qui dormait peut-être pas. Ouais. Une fois de plus, admettons. Non. Je reconnais toujours valables les objections lorsqu'elles le sont. Mais il y a une personne qui ne pourra pas m'en faire. Et cette personne-là, c'est la coupable. Et la coupable, ben c'est vous, mademoiselle Marie. Que vous a fait cette Gourdon pour que vous m'accusiez à sa place ? Taisez-vous. Point numéro un. Vous saviez où était l'arme du crime. Point numéro deux. Madame de Smet, vous en avez appris le fonctionnement. Point numéro trois. Si à 23h20, vous aviez un alibi, ce qui a bien dû vous surprendre, entre parenthèses, vous n'en possédiez aucun à 22h30, puisque soi-disant, vous étiez seul dans votre cuisine. Enfin, point numéro 4. Lorsque monsieur de Smet vous a dit que la propriété serait vendue, vous vous êtes vu jeté à la rue, sans argent, non, sachant bien que personne ne voudrait vous employer. Alors vous avez été prise de panique, non, et vous avez supprimé un être que par ailleurs vous estimiez méprisable et corrompu, ce qui a dû d'ailleurs alléger vos scrupules. Marie, nous qui vous considérions comme de la famille, oh, quel scandale! Mais défendez-vous au moins! Il invente pour protéger la Gourdon! Je n'invente rien! C'est vous-même qui m'avez donné l'explication. Moi? Oui, vous-même. Lorsque dans mon bureau, vous avez accusé mademoiselle Gourdon, vous lui avez dit qu'après avoir tiré, elle avait traîné le corps pour le mettre à l'écart. Or, seul le coupable pouvait connaître ce détail. Oh, eh oui. Allez, qu'on l'emmène. Oh. Ah, vous avez intérêt à me trouver un bon avocat, madame Agnès. Parce que si je parlais, je pourrais en dire des choses.